Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à tricoter ces jolis chaussons qui sont composés du point mousse et du point élastique pour la partie du haut, donc les côtes 1-1. D'accord? On voit peut-être mieux ici. Voilà. Et sinon, le reste, c'est que du point mousse. Vous aurez besoin d'aiguilles numéro 5, d'un passe-laine et d'une paire de ciseaux. Pour les tricoter, j'ai choisi de prendre de la laine qui se tricote en 7-8. Et nous allons les tricoter avec les aiguilles numéro 5. Là, ce que je vais vous apprendre à faire correspond à une taille allant du 35 au 38. Voilà. Donc, nous pouvons commencer sans problème. Je vous laisse vous munir de vos aiguilles, de votre laine, et puis c'est parti! Pour commencer, nous allons monter 45 mailles sur des aiguilles numéro 5. Et nous allons tricoter donc tout à l'endroit. D'accord? Nous commençons notre rang, donc nous tricotons la première maille et nous allons faire deux rangs tout à l'endroit. D'accord? Voilà. Donc, je vais vous laisser tricoter tranquillement ce rang-là à l'endroit et le rang d'après également tout à l'endroit. Et on se retrouve pour commencer les augmentations. D'accord? Donc, vous terminez tout à l'endroit, vous en faites un autre tout à l'endroit et on se retrouve. Voici ce que nous obtenons donc une fois nos deux rangs à l'endroit tricotés. Maintenant, nous allons tricoter comme ceci. Les 22 premières mailles, donc on sort la maille lisière qui compte comme une maille et nous en tricotons à l'endroit 22. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Et la 22e, on va la tricoter mais sans la lâcher, puisque nous allons faire une augmentation. Et là, on prend le brin arrière comme on fait d'habitude, d'accord, et on la tricote et là on lâche. Donc nous venons de faire nos 22 mailles et sur la 22e nous avons fait une augmentation. Maintenant nous tricotons une maille toute seule, c'est la maille centrale, d'accord, et la maille suivante on fait encore une augmentation. Donc on passe, on ne lâche pas, on passe notre aiguille par-dessous, on attrape le brin arrière et on tricote, là on lâche. Et maintenant nous allons terminer notre rang normalement. Et le rang suivant, on tricote toutes les mailles tout à l'endroit. Voilà, donc on va terminer notre rang. D'accord? Et une fois que vous l'avez terminé, hop, une fois que vous avez terminé de tricoter toutes vos mailles, je vous laisse faire un rang tout à l'endroit et on se retrouve pour d'autres augmentations. Nous revoilà à nouveau sur le rang des augmentations. Donc, nous sortons la maille lisière sans la tricoter et nous tricotons 22 mailles en comptant bien sûr la première. Donc 2, 3, 4, 5, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21. Et la 22e, comme tout à l'heure, on ne la lâche pas. On passe l'aiguille dessous, puisque c'est celle qui va nous faire notre augmentation. Voilà. On tricote les trois mailles suivantes, 2 et 3. Et la troisième, pareil, on ne la lâche pas. On passe derrière, on fait notre augmentation. Voilà. Et on continue notre rang tout à l'endroit. Donc on termine le rang, on en fait un autre tout à l'endroit. Nous voici de retour sur le rang des augmentations. Donc comme tout à l'heure, nous allons tricoter 22 mailles. On sort la première, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et la 22e. Donc comme tout à l'heure, on ne la lâche pas. On passe l'aiguille dessous, le brin arrière et on la tricote. Là, nous allons tricoter 5 mailles cette fois. 2, 3, 4. La cinquième, on ne la lâche pas, on fait l'augmentation. Et on termine notre rang à l'endroit. Voilà. Et là, vous terminez votre rang et vous en faites un autre, tout à l'endroit, sans augmentation. Nous revoici sur le rang des augmentations. Donc j'ai tricoté mes 21 mailles, d'accord? Et arrivé sur la 22e, comme tout à l'heure, nous faisons notre augmentation. D'accord? Là, nous allons tricoter 7 mailles. 2, 3, 4, 5. 6 et la septième, une augmentation. Voilà. Et on termine notre rang. Donc on termine notre rang à l'endroit et comme à chaque fois, on revient en faisant toutes les mailles à l'endroit aussi. Nous revoilà sur le rang des augmentations. Donc j'ai tricoté mes 21 mailles. Sur la 22e, on fait notre augmentation et là nous allons tricoter 9 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et la 9e, on fait notre augmentation. Voilà. Et là, nous allons pouvoir terminer notre rang tranquillement. Donc, on termine notre rang tout à l'endroit. On fait un autre rang tout à l'endroit. Et après, vous devrez obtenir 55 mailles. Donc, déjà là, si vous voulez compter une fois arrivé au bout, vous devez avoir 55 mailles. D'accord? Vous faites, donc, comme je vous dis, après le rang tout à l'endroit. Et on se retrouve, il n'y a plus d'augmentation là cette fois. Nous revoici donc du côté où nous avons fait les augmentations tout à l'heure. D'accord? Nous avons 55 mailles. Nous avons fait notre rang de retour. D'accord? Et là, nous sommes prêts à attaquer. Et là, nous allons tricoter 10 rangs tout à l'endroit, donc au point mousse. 10 rangs sans augmentation, puisque nous les avons terminés. Mais on n'attaque pas encore les diminutions. Donc, je vous laisse faire vos 10 rangs de point mousse et on se retrouve.
Voici ce que nous obtenons, d'accord? Donc on voit la partie augmentation ici, qui nous fait la semelle, et donc toute la partie qui va nous faire le dessus du pied, d'accord? Le devant du pied, et on attaque le dessus, voilà. Là, nous allons attaquer les diminutions. Alors pour cela, nous allons déjà tricoter 22 mailles, d'accord? Donc, nous tricotons tranquillement 22 mailles, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22. D'accord? Nous allons tricoter les deux mailles suivantes ensemble. Donc on prend bien de la deuxième et on revient par la première. D'accord? On passe bien à travers les deux. Et là, on les tricote ensemble. Maintenant, nous allons tricoter 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et là, on refait 2 mailles ensemble. Voilà. Et là, on termine tout simplement notre rang à l'endroit. D'accord? Donc, je vous laisse terminer votre rang. Vous en faites un autre de retour. Et vous pouvez même commencer le rang d'après en tricotant les 22 premières mailles. D'accord? Donc, on termine ce rang. On en fait un autre. Et on attaque les 22 mailles. Nous revoici du côté des diminutions, donc j'ai tricoté les 22 mailles, d'accord? Et là, comme tout à l'heure, nous allons faire 2 mailles ensemble. Et cette fois-ci, nous allons tricoter 5 mailles. 1, 2, 3, 4 et 5. 2 mailles ensemble. Et on termine notre rang. Donc même principe, on termine le rang. On fait un rang tout à l'endroit. Et on amorce à nouveau avec les 22 mailles. D'accord? Et on se retrouve. Voilà, je suis revenue donc en tricotant les 22 mailles. On tricote 2 mailles ensemble. Cette fois-ci, on tricote 3 mailles et encore 2 mailles ensemble. Voilà. Et rebelote, on termine notre rang, on fait un rang de retour à l'endroit, on tricote 22 mailles juste après. D'accord? On termine le rang à l'endroit, on fait le rang de retour tout à l'endroit. Et on amorce le suivant avec les 22 mailles pour les dernières diminutions. Nous voici pour l'avant-dernière diminution. Donc j'ai tricoté mes 22 mailles, d'accord, après avoir fait le rang de retour tout à l'endroit. Donc là, on tricote nos 2 mailles ensemble. On tricote une maille, c'est la maille centrale, et deux mailles ensemble. Voilà, rebelote, on termine notre rang. On termine notre rang, on fait le rang de retour, on tricote nos 22 mailles ensuite,
D'accord? Donc c'est bien comme d'habitude en fait. On termine le rang, on fait un rang tout à l'endroit et le rang d'après, on revient, on fait nos 22 mailles. Et là, on va faire la dernière diminution. Nous voici parés pour la dernière diminution. Donc les 22 mailles sont tricotées. Là, nous allons rabattre 3 mailles, mais nous allons les rabattre comme ceci. On passe une maille sur l'aiguille de gauche sans la tricoter. On tricote les deux suivantes ensemble. Voilà. Et celle qu'on a passée sans la tricoter, on la récupère et on la passe par-dessus. Et là, nous venons de rabattre 3 mailles. Et on termine tout simplement notre rang tout à l'endroit. Voilà. Donc je vous laisse pareil, terminer votre rang à l'endroit. Vous faites un rang de retour et on se retrouve pour la fin de notre chausson. Là, nous sommes retombés à 45 mailles sur notre aiguille. D'accord ? Et nous allons terminer par 5 rangs, juste 5 petits rangs de côte 1-1, de points élastiques. Alors, on fait la maille lisière que l'on sort, on passe le fil sous l'aiguille, une maille à l'envers. On passe le fil sous l'aiguille, une maille à l'endroit. On passe le fil, une maille à l'envers. Et on va alterner comme ça sur tout notre rang. D'accord ? Le rang d'après, on tricote les mailles comme elles se présentent. Donc, quand il y a une maille endroit, on la tricote à l'endroit. Quand elle est à l'envers, on la tricote à l'envers. Et on va faire ceci sur 5 rangs. D'accord ? Donc, je vous laisse terminer celui-là. Et comme je vous dis, de l'autre côté, on les tricote comme elles se présentent. La maille envers à l'envers, la maille endroit à l'endroit, etc. D'accord ? 5 rangs. Et après, on pourra arrêter les mailles et faire la couture. Voici nos côtes 1-1 terminées, d'accord? On les voit ici. Et bien maintenant, nous allons simplement rabattre toutes nos mailles. Donc pour cela, on sort la première et on les passe simplement les unes par-dessus les autres, sans trop serrer. Voilà. Nous allons faire ça tout simplement sur tout notre rang. Voilà, donc je vous laisse arrêter vos mailles et ensuite nous allons passer à la couture. Voici ce que nous obtenons une fois donc toutes les mailles arrêtées. On voit bien la petite bosse qui fait pour les orteils. Voilà, donc là nous allons couper notre fil. On va en laisser quand même une petite longueur pour la couture. On garde bien la maille dans le bon sens, d'accord? Et on attrape notre fil que l'on passe à travers. Tout simplement. Et on tire. Voilà. Donc là, il ne nous reste plus qu'à coudre le dos et la semelle. Donc pour cela, nous prenons une aiguille à laine et nous allons simplement passer de petite boule en petite boule. Là,
c'est la fin de notre rang. Et nous allons simplement passer dans la boucle d'à côté. Voilà. Après, si vous avez votre propre façon de coudre, comme je le dis tout le temps, vous faites vraiment à votre façon. Il n'y a pas de souci. Je suis sûre que votre couture sera tout aussi jolie. Donc de petites boules en petites boules. Pour vraiment en fait que les rangs se rejoignent, d'accord, bien comme il faut. Donc une fois que nous aurons terminé la couture du dos et de la semelle, comme je vous le disais, notre chausson sera terminé. Voici ce que cela donne une fois donc tout cousu, la couture à l'arrière et ainsi que la semelle. Voilà. Cela peut paraître petit quand on le voit, mais une fois porté, nous obtenons ceci. Voilà. Comme ça, j'espère que vous voyez bien. Et cela donc correspond à une taille facile 35 à 38. Voici donc ce que nous avons appris à faire aujourd'hui. Donc j'espère que mon tutoriel vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à me laisser un petit commentaire si vous le souhaitez, ainsi que les photos de vos réalisations, hein, que ce soit ces chaussons ou même sur d'autres vidéos. Il n'y a pas de souci et je vous dis à très très vite pour un nouveau tuto. Ciao, ciao !